Compte rendu de la 23e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 8 octobre 2021 la 23e réunion du Conseil des ministres du gouvernement de la République. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. 4. Examen des dossiers. 5. Examen et adoption de textes. 1. De la communication du président de la République, chef de l'État. La communication du président de la République a porté sur 3 points principaux, à savoir 1. De la victoire de l'équipe nationale de football. Le président de la République a une fois de plus salué la victoire de l'équipe nationale de football, nos vaillants léopards. Il a félicité les joueurs, le staff de l'équipe et toutes les parties prenantes qui ont concouru à notre éclatante victoire face à l'équipe du Madagascar, en les exhortant tous à garder ces mêmes élans de réussite pour le match retour. À propos de la qualité de nos infrastructures sportives, le président de la République a noté les efforts récemment réalisés par le gouvernement pour mettre les stades de martyrs au niveau des standards de la Fédération internationale de football association FIFA. Cependant, a-t-il insisté, les autres grands stades dans nos provinces devraient aussi atteindre le même standard. En perspective du grand rendez-vous de la compétition multisportive, en l'occurrence les 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront au courant du mois d'août 2022 à Kinshasa, le président de la République a rappelé l'impérieuse nécessité pour le pays de se doter d'infrastructures sportives adéquates pour le déroulement des différentes épreuves. Il a chargé le premier ministre chef du gouvernement, qui anime la commission interministérielle de préparation des 10 Jeux, de veiller à la célérité et à la disponibilité des moyens financiers pour respecter les échéances de l'organisation de ces importants Jeux de la francophonie. Deuxième point de la communication du président de la République, relatif au respect des engagements convenus avec le Fonds monétaire international. Considérant la volonté affichée par le gouvernement et l'absence des chocs majeurs qui pourraient renverser les tendances actuelles, le président de la République est d'avis que l'atteinte des cibles et des critères quantitatifs du programme avec le Fonds monétaire international, ainsi que la réalisation des repères structurels, devraient être respectés d'ici fin décembre 2021. Il a encouragé les gouvernements à tout mettre en œuvre pour que les conclusions de la revue du programme soient de nature à motiver les partenaires bilatéraux et multilatéraux à accompagner la République démocratique du Congo à relever les principaux défis qui découlent de la mise en œuvre optimale du programme de réforme économique soutenu par la facilité élargie de crédit. Soutenant la démarche du Conseil des ministres à demander un transfert d'une partie de ses allocations au titre d'appui budgétaire en vue de financer les projets prioritaires du gouvernement de la République, le chef de l'État a invité le Premier ministre, dans les soucis de rassurer le Fonds monétaire international dans l'utilisation rationnelle de ses appuis budgétaires sollicités, de mettre en place dans un délai court une commission d'identification, des suivis et d'évaluation des projets ciblés dans les secteurs prioritaires pour les sociales de nos populations. Pour le président de la République, ces projets devraient s'inscrire dans le cadre budgétaire à moyen terme et soutenir la croissance économique. La liste de projets retenus devra être présentée lors de la réunion du Conseil des ministres de la première semaine du mois de décembre 2021. Cette commission mixte sera composée notamment des délégués de la présidence de la République, de la primature, du ministère du budget ainsi que du ministère des Finances. 3. De l'appui à la campagne sur le civisme routier. Après 3 mois et demi de la campagne sur le civisme routier, lancée par la coordination pour le changement des mentalités, dont l'un des objectifs est de réduire au maximum
les embouteillages auxquels font face la population de grandes villes, le président de la République a noté que l'une des causes profondes de ces désagréments relève de l'incivisme des usagers de la route. À cet effet, il a encouragé l'initiative de la Coordination pour le changement de mentalité qui a formé et mis sur pied, sur les grandes artères de la capitale, des volontaires pour aider les services de l'État impliqués dans la gestion de la route. Pour consolider la satisfaction de la population grâce à la contribution de ces volontaires, le président de la République a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, le ministre des Transports et les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa de pourvoir proportionnellement au soutien financier du corps de volontaires pour le dernier trimestre de l'année en cours, afin que les objectifs poursuivis par cette campagne de civisme routier soient atteints. Le président de la République a aussi exhorté les membres du gouvernement, ceux de son cabinet, ainsi que tous les hauts cadres de la République, à être le premier à respecter le code de la route et ainsi prêcher par l'exemple. Chapitre 2 du Conseil de ministres de ce jour relatif aux points d'information. 1. État et administration du territoire. Le vice-ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, représentant le vice-premier ministre, a informé le membre du Conseil que l'état du territoire national demeure généralement calme, au-delà de quelques faits saillants qui ont marqué l'état d'esprit de la population, tels que la persistance de l'impasse au sein de confessions religieuses en ce qui concerne la désignation du futur président de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le vice-ministre a informé aussi les conseils des mesures qui ont été prises à la suite de troubles à l'ordre public survenus lors de l'ouverture de la session parlementaire de septembre à l'Assemblée provinciale de la province de l'Équateur. Pour sauvegarder la paix et la tranquillité, les antagonistes, à savoir les gouverneurs et les vice-gouverneurs, le président de l'Assemblée provinciale ainsi que le président du bureau d'âge ont été tous rappelés en consultation à Kinshasa. Une mission d'enquête et d'évaluation a été dépêchée sur place. Son rapport permettra de prendre des mesures appropriées. Ces mesures ont été prises à la suite de la communication du président de la République au dernier Conseil de ministres pour mettre fin à cette situation de confusion. Avant de conclure son intervention, le vice-ministre de l'Intérieur a informé le Conseil de la tenue de l'Assemblée générale des organisations de coopération de police de l'Afrique de l'Est et de la République démocratique du Congo. Au terme de ces assises, le commissaire général de la police nationale congolaise prendra la présidence de cette Assemblée panafricaine dont l'objectif principal est la lutte contre la criminalité transfrontalière. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a brossé l'état de la situation sécuritaire sur les trois zones de défense. Si, pour les deux zones de défense, la situation est relativement calme, il est revenu sur la situation dans la troisième zone de défense marquée par les opérations liées à l'état de siège. Il a informé les conseils qu'en province de l'Ituri, les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé les attaques des miliciens Codeco dans les localités de Kobwe de Kilo en territoire de Djougou. Cette contre-attaque leur a permis de consolider leur position dans cette partie du pays. Une action similaire a été signalée dans la cité des Komanda à la suite de tentatives vouées à l'échec de commandants de la coalition FPI-CFRPI. La vigilance de nos éléments a permis de prendre le contrôle de la situation. En territoire de Rutshuru, cinq jeunes suspects en provenance de Goma vers Butembo ont été appréhendés par la Direction générale des migrations dans un hôtel à Kiwanja. Il se révèle de leur déposition qu'ils ont été recrutés par un réseau criminel pour le compte des terroristes des ADF MTM. Ils ont été mis à la disposition de l'auditorat militaire pour des investigations approfondies. Les services de sécurité s'attellent donc à démanteler tous les réseaux des recrutements et des ravitaillements de ces forces terroristes. Dans les territoires de Masisi, une
offensive des forces armées de la République démocratique du Congo s'est soldée par la récupération des 6 localités sur l'axe Masisi, notamment Singa, Mbe, Lubula, Shango, Bindo-Bindo, Luchébéré. Des armes et des munitions ont été récupérées, ainsi que plusieurs combattants qui ont été neutralisés. À la même date, 6 autres localités sont passées sous le contrôle de forces armées de la République démocratique du Congo, sur l'axe Kinyana, occasionnant la neutralisation des 22 combattants ennemis et la reddition de plusieurs dizaines. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a réitéré la détermination de forces de défense et de sécurité de mettre hors d'état de nuire ses ennemis du peuple congolais en révélant notamment les avancées qu'enregistrent nos forces armées de la République démocratique du Congo sur terrain. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Évolution de la situation de la pandémie à COVID-19. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a dressé l'état de l'évolution de la situation de la pandémie à COVID-19. Il a noté que sur les 26 provinces affectées par la COVID-19 depuis les débuts de l'épidémie, seules 12 restent actives avec 48 zones de santé au cours des 7 derniers jours. Cela signifie qu'elles ont notifié au moins un cas confirmé dans les 7 derniers jours. Une baisse générale de 14,3% de nouveaux cas positifs a été enregistrée en l'espace d'une semaine épidémiologique à travers toutes les zones affectées. En ce qui concerne la vaccination, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a informé les conseils du démarrage à Kinshasa des ateliers de formation en cascade des cadres centraux de son ministère et partenaires pour assurer la bonne administration des nouveaux vaccins. Ces assises vont se poursuivre dans 13 autres provinces ciblées. Le gouvernement réitère son exhortation permanente à la population afin d'observer scrupuleusement les mesures barrières et de se faire vacciner pour se protéger et protéger les autres. Revenant sur l'épidémie de méningite à Banalia, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a indiqué que la campagne de vaccination avec les vaccins dédiés sera lancée ce 9 octobre 2021 avec comme cible la population âgée principalement entre 1 et 49 ans. Au sujet de la grève des professionnels de santé, il a souligné que les pourparlers continuent entre le gouvernement et le banc syndical de professionnels de santé pour trouver une issue à la grève qui a trop duré et qui préjudicie la population. Un protocole d'accord entre les deux parties définissant les engagements des uns et des autres est en cours de finalisation. Quatrième point sur ces chapitres de points d'information sur l'évolution de la conjoncture économique. La gouverneure de la Banque centrale du Congo a indiqué que la croissance économique reste principalement tirée par les secteurs miniers et est à ces jours établie à 5,3% à fin 2021. Le marché de biens et services est demeuré stable avec un cumul annuel de l'inflation de 3,39% à fin septembre 2021, alors qu'elle s'est située autour de 14% en 2020. Le marché d'échange est resté globalement stable, attesté par des faibles variations du taux de change sur les deux segments du marché. En cumul annuel, les taux de dépréciation du franc congolais n'est que de 1,20% à l'indicatif et de 0,93% au parallèle contre une dépréciation d'environ 14,7% et 14,3% à la même période correspondante l'année dernière. Quant aux opérations financières de l'État, le compte général du Trésor demeure excédentaire. Les réserves d'échange se sont établies à 3,3 milliards de dollars au 30 septembre 2021, soit 3 mois d'importation de biens et de services. Le cours mondial des principaux produits d'exportation de la République démocratique du Congo sont restés globalement favorables. En dépit de la stabilité observée, l'économie nationale demeure exposée à certains risques d'origine externe, notamment la faible couverture vaccinale dans les pays développés qui pourrait influencer leurs économies et la trajectoire de la croissance mondiale. Le faible taux de couverture vaccinale
et les pressions sur la demande intérieure qui caractérisent historiquement les derniers trimestres de l'année, marqués par la préparation des festivités de fin d'année, constituent le facteur de risque au plan interne. La gouverneure a recommandé le maintien de la coordination de politiques budgétaires et monétaires, la mise en application continue du pacte de stabilité, les suivis rapprochés des facteurs de liquidité et la mise en œuvre des réformes retenues dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international. Le Conseil des ministres a pris acte de ce rapport. Toujours sur ces chapitres de points d'information. Rapport de mission de supervision de l'examen national fin d'études professionnelles. La ministre de la Formation professionnelle et métiers a présenté les rapports de mission de supervision de l'examen national de fin d'études professionnelles effectués dans le Grand Kasaï et dans les Grands Bandung. Elle a indiqué qu'aucun incident n'a été signalé et que tout s'était déroulé dans la paix et la sérénité. Elle a précisé que la réussite de cette première est à mettre sur le compte du gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour mobiliser les moyens et assurer de ces faits son effectivité. En termes de constat, la ministre de la Formation professionnelle et métiers a souligné que toutes les provinces visitées ont présenté les mêmes tableaux des préoccupations, à savoir une absence quasi totale d'infrastructures de la formation professionnelle, le manque de mécanisation de nouvelles unités, l'inexistence des charrois automobiles pour la mobilité des cadres, les conflits des compétences avec d'autres structures gouvernementales sur la gestion des écoles professionnelles, la démotivation du personnel pour cause de non-paiement des primes, des salaires, etc. Face à la carence d'édifices, une série de dispositions ont été prises. Elles ont consisté en la prise en location d'immeubles devant abriter de bureaux administratifs, l'acquisition des terrains pour la construction d'infrastructures et la pose de premières pierres dans les provinces visitées. La remise de matériel de pratique professionnelle pour de filières de coupe et couture et autres. Le Conseil des ministres a aussi pris acte de ce rapport. Troisième chapitre du Conseil des ministres de ce jour. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a adopté le relevé des décisions prise lors de la 22e réunion tenue le vendredi 1er octobre 2021. Chapitre 4 du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de dossiers. Premier dossier, de l'évaluation de permis de recherche au cadastre minier. La ministre des Mines a présenté au gouvernement le rapport d'évaluation des permis de recherche au cadastre minier conformément aux instructions du président de la République données lors de la 20e réunion du Conseil des ministres. Rappelant que tout permis de recherche confère à son titulaire le droit d'effectuer exclusivement les travaux de recherche et non ceux d'exploitation à l'intérieur de son périmètre, la ministre des Mines a souligné que les titulaires étaient tenus de payer les droits superficiels annuels, de présenter et d'obtenir l'approbation du plan d'atténuation et des réhabilitations de l'environnement avant tout début des travaux de recherche, ainsi que commencer les travaux de recherche dans un délai d'une année à compter de la délivrance du titre. Par conséquent, tout manquement par les titulaires du permis de recherche à ses obligations fait encourir à ces derniers la déchéance de son droit minier. La ministre des Mines a indiqué que le registre du cadastre minier compte au 21 septembre 2021 un total de 1901 permis de recherche, dont 223 à déchoir pour non-paiement de droits superficiels exercice 2021, 156 déchus et 774 permis de recherche actifs. S'agissant de l'exploitation minière illicite dans les périmètres couverts par le permis de recherche, il a été constaté qu'elle s'est faite soit avec l'accord du titulaire, soit sans l'accord du titulaire ou soit par le titulaire lui-même. Face à cette situation, la ministre des Mines a indiqué avoir ordonné notamment la suspension des activités pour certaines sociétés minières concernées et diligenté les missions de contrôle sur place pour d'autres. Elle a également décidé de l'audit du cadastre minier dans un délai relativement court, l'objectif étant
le strict respect de la législation minière en vigueur, tant par les opérateurs miniers que par les agents et fonctionnaires de l'État. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Deuxième point dans ces chapitres 4 relatifs à l'examen des dossiers, de la tenue des États généraux de la communication et médias. Le ministre de la communication et médias a présenté au Conseil les grandes lignes du projet de la tenue prochaine des États généraux de la communication et médias. L'objectif poursuivi est notamment de jeter un regard rétrospectif sur les pratiques de la presse et de la régulation des médias, en vue de dégager les perspectives d'avenir au moyen d'un dialogue proactif et inclusif entre les différentes parties prenantes. Placé sous le haut patronage du président de la République, qui tient à la promotion et à l'exercice responsable de la liberté de la presse comme élément moteur de la vitalité de notre démocratie, ces assises auront pour thème principal les médias congolais, quelles perspectives à l'heure du numérique, enjeux et défis du développement durable. Il sera question de dégager des propositions de réformes pertinentes touchant au régime juridique de médias en général et de la presse en ligne en particulier, au statut du journaliste, à la dépénalisation des délits de presse qui pourra être précédé par un moratoire dont les modalités d'encadrement feront l'objet d'une concertation entre le gouvernement et les organisations professionnelles, à la modernisation des médias publics et aux différents défis qui s'imposent, notamment les défis de la viabilité des médias congolais. Le ministre de la Communication et Médias a sollicité l'autorisation du gouvernement pour la mise en place effective d'un comité d'organisation, de la convocation et du déroulement des travaux, et la mise en place du comité de suivi des recommandations et différentes conclusions des États généraux de la communication et des médias. La tenue de ces États généraux, a-t-il conclu, contribuera à donner un nouvel envol à la presse congolaise et au rayonnement de la démocratie dans un écosystème qui permet le plein exercice de la liberté de la presse. Après débat et délibération, ces dossiers ont été adoptés. Chapitre 5 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des projets de texte. 3. Premier projet. Le projet de loi numéro du 8 octobre 2021 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a présenté à l'attention du Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours, prenant cours le 19 octobre 2021. L'objectif étant de permettre à nos forces armées de poursuivre les opérations militaires en vue de la restauration de la paix, la sécurité et l'autorité de l'État dans ces parties du pays durement affecté par les conflits armés. Après débat et délibération, ce projet de loi a été adopté. Deux projets de loi de ratification. Le ministre des Finances a présenté à l'attention des membres du gouvernement deux projets de loi de ratification en vue de leur adoption. Le premier porte sur l'autorisation des ratifications des résolutions numéro 271 et 272 du Conseil de gouverneurs de la Société financière internationale. Dans le cadre de ces deux résolutions signées le 16 avril 2020, la République démocratique du Congo s'est vue attribuer respectivement 3372 parts et 5626 parts, soit un total de 8998 parts supplémentaires dans les capitales de la Société financière internationale. Le second concerne l'autorisation de ratification des résolutions numéro 663 et 664 du Conseil de gouverneurs de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement. Au titre de ces deux résolutions, signées le 1er octobre 2018, il a été attribué à la République démocratique du Congo respectivement 346 parts et 402 parts, soit un total de 748 parts supplémentaires.
Le ministre des Finances a insisté sur le fait qu'il s'agit d'une formalité qui va permettre à notre pays de préserver sa position au sein de ces deux institutions du groupe de la Banque mondiale et de continuer à bénéficier des avantages irrélatifs. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces deux projets de loi. Commencé à 11h44, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 15h46.